Mathieu du charreau, 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 Mathieu du charreau. Ça court dans les butins, Mathieu du charreau, terrain de pilombeux, Mathieu du charreau, en cas de pépin, Mathieu du charreau, ça salame les 22, Mathieu du charreau, Mathieau du charreau, Mathieu 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 du charreau. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les 10 choses que vous ne savez pas sur Hulk. Donc vous n'avez jamais entendu ma voix, donc c'est normal. Donc je me présente, donc je suis un commentateur de la Nord, je m'appelle Texo. Donc c'est moi aujourd'hui qui va vous commenter ce sujet. Donc alors pour le fait numéro 1, c'est que Hulk n'a pas toujours été vert. Car à ses débuts il était gris parce que le dessinateur il trouvait que c'était trop difficile de gérer les teintes de gris car à l'époque la qualité de l'encre elle était naze. Donc pour le fait numéro 2, c'est que Hulk a eu une époque avec une espèce d'armure de gladiateur. Donc c'est parce qu'en fait il était revenu sur Terre pour défoncer les héros qu'il avait envoyés sur une autre planète, car les héros le trouvaient trop puissant et ingérable. Allez, fait suivant. Donc pour le fait numéro 3, c'est que Hulk a sa version rouge. Et oui, donc la version rouge de Hulk est en fait le général Ross. Donc c'est le militaire qui rêve d'arrêter Hulk. Donc alors, ce Hulk rouge est plus puissant que le Hulk original, mais il peut absorber l'énergie. Sauf que le problème de ce pouvoir, c'est que s'il prend trop d'énergie, il se fait exploser. Voilà. Un pouvoir assez utile, mais en même temps assez merdique. Prochain fait. Donc, pour le quatrième fait, c'est que... Rick Jones, donc c'est le meilleur ami de Hulk. Donc en fait, ce monstre, donc A-Bomb, c'est un croisement entre la chose et Hulk. Donc ça fait une sorte de Hulk bleu cuirassé. Fait suivant. Donc pour le fait numéro 5, c'est que Hulk a fait partie d'une équipe à part les Avengers. Donc alors, l'équipe s'appelait les Défenseurs. Donc c'est une équipe un peu différente des Avengers, vu que ils s'entendent pas du tout. Hein, voilà. Fait suivant. Pour le fait numéro 6, c'est que il y a Hulk King. Donc alors, il n'a aucun lien avec Hulk. C'est tout simplement c'est un alien qui peut se transformer, qui fait partie des jeunes Avengers. Donc alors en fait c'est l'équipe des Avengers, mais en plus jeune de l'équipe originale. Fait suivant. Donc pour le fait numéro 7, c'est que Bruce Banner pendant quelques temps porté une armure qui envoyait des informations de Hulk au Shield. Donc c'était censé l'aider dans ses missions, mais moi je trouve que ça un peu à rien. Fait suivant. Pour le fait numéro 8, parlons de Hulk et Superman. Donc il y a toujours eu une opposition entre ces deux héros qui font partie de Marvel et l'autre de DC Comics.
Mais qui est le plus fort, ça, personne ne l'a jamais vraiment su. Parce qu'on les a presque jamais vus s'opposer, vu qu'ils font partie de deux maisons d'édition différentes. Donc qui est le plus fort, personne ne le saura vraiment. Fait suivant. Donc le fait numéro 9, c'est que Hulk est encore un dérivé. Et oui, il y a Miss Hulk. C'est en fait la cousine de Hulk. Et elle-même a sa version rouge. Fait suivant. Pour le dernier fait, c'est que Hulk a été inspiré de l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ce sont des personnes en fait qui ont une double personnalité, comme Hulk, Bruce Banner et le gros méchant. Eh bien voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit commentaire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à lâcher un pouce vert. Et moi je vous dis à plus. Bye. Lorsqu'on a dû faire trop de l'actu.